Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fera un petit challenge. Devinez quoi? Là, je vais essayer de cuisiner un plat pour 6 personnes avec seulement 5 pounds, 5 livres sterling. Donc, on y va. Pour l'instant, je ne sais vraiment pas quoi cuisiner. Je ne sais pas si, en fonction, en tout cas, ça sera du poulet. C'est avec le poulet qu'on peut. Pardon, c'est avec lui. 5 pounds, c'est forcément le poulet. On sait qu'il y a d'autres choses, mais là, là, il n'y a pas le choix. On va faire avec. Oh! Ok, là, j'arrive maintenant à Lidl. Ah, là, j'ai pris mon pan. On va commencer d'abord par quoi? Je vais dans les rayons de viande. Wesh. C'est 1,65, je crois que ça arrive un peu moins cher. Je crois qu'on va prendre ça. Ici, je prends un mélange d'épices. Je prends aussi un mélange d'herbes. Je prends du sel. Du sel. Ici aussi, je vais prendre du poivre. Du poivre. J'en ai à la maison, mais vu que c'est... Je vais prendre. Ici, je prends une boîte de tomates hachées. 28 piques. Je prends aussi. On va voir le riz. Quel riz on peut changer? J'en ai mon max. Je vais prendre celui-là, l'engrais. Je crois qu'il est encore mieux. Merci. Ici, je suis dans le rayon surgelé. Je vais prendre poivron. Poivron déjà découpé. Je prends aussi oignon déjà découpé. Voici mon petit marché. J'espère que ça va pas dépasser les 5 pounds. Hein? Ah, on verra. Et là, ça a augmenté un peu hein, parce que j'ai pris 4 boissons comme ça. Et puis, font 1 pound. Donc, ça veut dire qu'il y a eu 33 piles de plus. On a triché un peu quoi. Et là, j'ai fini avec mon marché. Voici. Et là, direction la cuisine. Ou bien, c'était un bon shopping en tout cas. Du retour de mon shopping, je vais déballer mes ingrédients là, mon marché. Ici, j'ai pris, pardon, je vais renverser les oignons surgelés. Aussi le poivron, la tomate, en tout cas tout ce qu'il y a à renverser.
Ici, après avoir fini de nettoyer mes poulets, nous allons passer maintenant à d'autres plats. Parce que j'ai déballé, acheté mes assaisonnements là. Mélange d'herbes. Ici aussi, mélange d'épices. Que ça va venir apporter un goût poivre. Là, si vous aimeriez que je fasse de temps en temps ce genre de vidéo, vous allez laisser un commentaire si vous êtes d'accord. Ici, dans une casserole ou dans une poêle, peu importe, je vais faire venir dorer ma viande. Je n'ai pas pu acheter de l'huile, donc je vais faire avec la graisse du poulet. Je vais dorer des deux faces. Quand ça a bien doré ainsi, je viens rajouter tous mes légumes et mes épices. Voilà. Là, les oignons, la tomate, les poivrons et mélange d'épices, mélange d'herbes, sel, poivre, en tout cas tout. Et on va laisser tout ça là bien cuit, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et on se dira tout à l'heure pour le résultat final. Ici aussi, je vais rajouter de l'eau. La quantité va dépendre de vous. Moi, je la veux pâteuse, donc je vais rajouter moins d'eau. Là, pardonnez-moi, vous allez m'excuser. Moi, je ne peux pas manger sans piment. J'ai ramassé deux piments là-bas, là. J'ai rajouté dedans. Après avoir laissé cuire tout doucement, voici les résultats de mon plat. Donc, si tu as aimé la petite vidéo, là, n'oublie pas de liker, de t'abonner, puis de partager. Tu peux aussi activer la cloche de notification pour recevoir une nouvelle recette lorsque je mets en ligne de nouvelles recettes. J'ai dit quand même. Dès que je mets une notification lorsque je mets en ligne de nouvelles recettes. Ah, mon cher. Ici, là, je vais servir juste un peu. Voici les riz, là. On fera le 1, 2, 3 et puis go! Ah ouais. On va manger un seul morceau. Hein. Le riz est bien parfumé comme ça. J'adore! Ça vous écrivez même. Mmh.